Fouler le tapis rouge n'a pas été une partie de plaisir pour Miss France 2012. En 2013, elle est au bras du mythique comédien Alain Delon lors de la montée des marches du film Zoulou qui était projeté lors de la clôture de cette 66e édition. Ce n'est pas le comportement de son cavalier qui est en cause, même si, quelques mois plus tard, il claquera la porte du comité Miss France où il avait été nommé président du jury à vie, à la suite de propos en faveur du FN qui sont restés en travers de la gorge du comité. Non, le petit hic qu'a rencontré la ravissante Miss était d'une toute autre nature. Marine n'avait pas de chaussures à sa taille. De quoi la déstabiliser? Pas du tout. Marine l'orphelin n'a pas bronché, ne quittant pas son large sourire. Une abnégation et une force de caractère qui ont marqué la patronne des Miss. Un événement qui restera sans doute gravé dans la mémoire de Marine l'orphelin.